Franco, je vois que tu veux déjà aller très loin. Bro, y'a quoi? Je veux te prouver que moi que tu vois ici, le visage que tu vois et le corps ici, c'est le piège. Je ne comprends pas. Je veux te prouver que tu es grand en âge, mais ici, c'est le coucoulou. Hein? Hé, papa. Je vais te chicoter, quoi. Donc, je vais te donner la honte à mon dos vision. Si, sinon. Mon frère. Hé, hey, mon frère, y'a quoi? Franco, où je vais t'attraper? Je vais te chicoter comme un enfant. Hé, hey, il est même sérieux. Dans le jour que je vais tomber sur toi dans la rue. Peu importe le lieu, Franco, je vais te chicoter. Tu es sûr? Parce que même physiquement, tu ne me peux pas. Hey, papa. Dans le jour que je vais tomber sur toi dans la rue, peu importe le lieu, Franco, je vais te chicoter. Hey. L'enfant, c'est même quoi dans la tête? Tout ça, c'est le manga. Hein? Seigneur, jusqu'à quand? Non, je suis pas sûr si c'est ça. Mais le quartier connaît. Que quoi? C'est le chat en vous. Et toi, tu connais comment? Parce que moi, je la consomme. Ok, c'est donc ça. C'est fumer la drogue qui fait que tu peux parler mal à ton père, à ta mère, devant ton papa et ta maman, à présence de tes parents. En vrai? Bon, et tu dis que Franco est comment? Tu es grand en âge, mais ici, c'est le coucoulou. Donc c'est pour ça que tu veux taper Franco? Je vais te chicoter, quoi. Donc je vais te donner la honte à mon dos vision. T'es trop bête. Franco t'a même fait quoi, dit? Sur le mauvais bébé, tu as fait la vidéo sur le mauvais bébé et sur Dexter. Les noms que... Tu me fais prononcer, mais non, j'ai pas envie de prononcer. C'est pas un humain, tu ne prononces pas pourquoi? Tu as pris ma vidéo, tu as coupé, tu as mis à l'intérieur. Et après? Et après, et même quand tu mets ma vidéo à l'intérieur, j'ai écouté ta vidéo jusqu'à la fin. Tu montres à tout le monde qui te suit et à tout le monde sur les réseaux que moi, personnellement, j'encourage ton mauvais bébé dans sa lancée. Reprends un peu ça. Tu montres à tout le monde qui te suit et à tout le monde sur les réseaux que moi, personnellement, j'encourage le mauvais bébé dans sa lancée. J'encourage le mauvais bébé dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il a choisi de faire. C'est faux alors? C'est qui me fait, laisse encore comprendre que tu as encore beaucoup à apprendre, grand frère. Je demande si c'est faux. Sérieux? Ah bon? Franco a pris mes vidéos. Il est parti, il a dit que c'est ça, comme j'encourage. Donc tu dis que tu ne soutiens pas le mauvais bébé? J'ai dit que. Mais mon frère, hey. Bon, écoute toi-même ceci. Poussière, quand tu vas mourir, est-ce que Dieu va te reconnaître? Ça veut dire que même si tu te répands, il va dire que mais j'ai créé une poussière noire. Comment elle est devenue brune? Avant de commencer, c'est toi qui as créé danser comme le mauvais bébé l'est. Non, ne ris pas. Écoute toi-même ça. C'est comme ça donc que le massacre commence. Écoutez très bien. Le mauvais bébé. Je vous ai dit ici que. Il n'y a pas son deux. Ah bon, hein? Au Cameroun, présentement là. C'est lui qui remplace valablement Virgule le criminel. Même Virgule le criminel, c'était un enfant. Ah bon? C'était un enfant derrière le mauvais bébé. Le mauvais bébé. Qui veut clasher le mauvais bébé? Donc tu confirmes qu'il est trop fort? Nous les Camerounais, on va toujours surlever le mauvais bébé. Attends. Reprends un peu la phrase. Nous les Camerounais, on va toujours surlever le mauvais bébé. T'es trop bête. Pourquoi tu encourages donc le mauvais bébé? Nous les Camerounais, on va te donner la force au mauvais bébé. Parce que le mauvais bébé, non, c'est le seul influenceur qui mérite la force sur les réseaux sociaux. Jamais. Et tu disais que tu veux taper Franco, pourquoi? J'ai écouté ta vidéo jusqu'à la fin. Tu voulais montrer à tout le monde. Tu veux montrer à tout le monde qui te suit et à tout le monde sur les réseaux que moi, personnellement, j'encourage ton mauvais. Non, tout le monde a déjà compris. Tu dis que Franco a quoi dans la tête? Je veux te prouver que tu es grand en âge, mais ici, c'est le coucoulou. Non, tu m'as déjà même prouvé. Quoi? Je vais te chicoter, quoi. Donc, je vais te donner la honte à mon dos vision. Si, sinon. Je sens que c'est mon dernier employé que tu vas faire ça. Bon, le mauvais bébé est qui pour toi? Moi, j'aime le mauvais bébé, c'est ma star. Reprends. Moi, j'aime le mauvais bébé, c'est ma star. Reprends encore. Moi, j'aime le mauvais bébé, c'est ma star. T'es trop bête. C'est notre papa. Donc, tu es prêt à lui soulever jusqu'au ciel. On doit lui soulever jusqu'au ciel. Nous les Camerounais, on va toujours soulever le mauvais bébé. Tu es Camerounais? Nous les Camerounais, on va te donner la force au mauvais bébé. Parce que le mauvais bébé, non, c'est le seul influenceur qui mérite la force sur les réseaux sociaux. T'es trop bête. Tu parles même de quelle force? Je l'ai dit ici hier que, avec la vidéo de la fille ici. Qui ça? La fille qui parlait beaucoup, elle veut critiquer le mauvais bébé. Oh, il a fumé le mbanga ou quoi que ce soit. Je vous ai dit que, quand il va sortir, nous tous, on va aduler ça. La tête du gars s'y tient. Sa tête ne... Non, la main, attends, on va un peu contrôler d'abord. Un peu tardé. Va. Kossi, Loko, Malox, Mousselo, Charismatique, Takam, ce sont les qui devant le mauvais bébé. Ah, bah là, on vous connaît. On vous connaît. Le mauvais bébé, c'est l'homme. Il n'y a pas son deux. Allez, ferme ta bouche. Et maman. Là, comme il est. Avec sa tête comme la pierre. Tête de prune. Sa tête ne...
Non, la mère, je confirme vraiment qu'il y a un boulon qui a sauté. Tout ça, c'est le manga, hein. Seigneur, jusqu'à... Qu'est-ce qu'on va même faire du jassi? Arrêtez le banga. Maman, augmente un peu le volume. Donc, arrêtons ça, dis donc. Laissons le banga. Baissons la dose, ce n'est pas bon. Oh, Moudman, tu as compris? Ici, ce que tu viens de voir là, juste chez moi, donc ça veut dire que je vais assumer pleinement mes propos ici et pleinement mes actes. C'est-à-dire? Rien dans la tête. Tout sur la calvétie. T'es trop bête. Non, nous sommes déjà en train de constater. Franco, je ne veux pas tenir les mêmes propos que toi. Tu vois. Vous me rendez dingue. Je ne veux pas dénigrer ton physique. Parce que s'il fallait que dénigre ton physique, toi et moi, nous savons à quel point tu es. Je suis comment? Toi et moi, nous savons à quel point tu es ovale. Je suis comment? Toi et moi, nous savons à quel point tu es ovale. Ah? Franco est comment? Ovale. Il est comment? Ovale. Alors. Tu viens de dire que tu ne veux pas faire quoi là? Je ne veux pas dénigrer ton physique. Parce que s'il fallait que dénigre ton physique. Non, laisse. On a déjà compris. Je veux pas, je vais non plus parler de ton orientation parce que tu as les enfants et tu as une femme. C'est au moins tu as prouvé le concret. Merci. Comme tu confirmes quand même que je ne suis pas un depso. Marie, que ton enfant sur la toile ici, tu as eu à pleurer 20 fois concernant ton enfant. Il ne veut pas encore dans le côté. Il veut pas encore sur le côté là. Il veut le laisser. J'espère quand même que tu as au moins un. Je veux te prouver que tu es grand en âge, mais ici, c'est le coucoulou. Je vais te chicoter quoi. Donc je vais te donner la honte à mon dos vision. Tu suis non. Je vois que quand tu rentres, les enfants crient papa et yayato, ça te plaît pas. Ils vont me te rendre visite à l'hôpital. T'es trop bête. Et tu dis que tu veux vraiment faire quoi, Franco? Parce que je vais te faire, Franco. Si tu continues encore, voilà ce que je suis en train de dire. Envoie la vidéo ça, Franco. Si tu continues encore, je suis en train de te parler, non? Je suis en train de te parler, non? Tu as des mains de tes non? Aujourd'hui, c'est le vrai tout. Et que si tu continues encore. Je suis au bureau en Gousso, hein, où tu me vois là. J'attends toujours l'autre qui avait dit comme toi là à Dubaï, que dès qu'il rentre là, il va me taper. Je suis toujours là, je vous attends, venez. Blague pas, donc si tu continues encore, le jour où il t'attrape en route, comme ça aurait été dit là, peu importe où il t'attrape, que ce soit dans une cérémonie, que ce soit où, peu importe Franco, je vais te chicoter comme un enfant parce que toi, tu ne me peux même pas un peu, tu n'es pas né. Regardez-moi un dernier de la classe. Parce que ça, vous aimez qu'on vous manque le respect, vous les grands là, vous aimez qu'on vous manque le respect. Je te parlais doucement en tant que grand frère. Et dans mes propos, frère, il dit grand frère, pourquoi tu comprends la tête pour te respecter? Mais tu veux me montrer que tu es un enfant, il veut te traiter comme un enfant. Tout ça, c'est la galère et le chômage. Ah, vraiment le Cameroun. Tu me suis, non? À comportement de mouton, réaction du berger, je veux te chicoter. C'est pas que je veux pas bagarrer avec toi. Hein. Il dit, je veux te chicoter, je veux te prouver que je suis d'abord un homme bien barbare. C'est prostitution qui est mieux pour toi. Continue, tu vas voir. Si tu attends que je sorte de ma bouche les propos que tout le monde emploie là, oh, je vais te porter plainte, oh, la justice, je ne veux pas sortir ça. On va régler ça en bantou. On va régler ça comme au village. Ta tête, c'est les pop-corn. Bon, petit, tu bavardes trop. Je vais confier ton dossier à mon quatrième petit frère. C'est ton niveau. Tu es un gars du village, non? Je vais te prouver que même toi, dans le village, là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas monter tête. Quand même, mon frère. Mais te prouver que tu ne peux pas. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire ton heure, mon frère. On ne pleure pas. On va régler ça comme au village, avec les mains. Au pauvre, c'est toi-même qui va aller peut-être porter plainte. C'est toi qui va aller me couper le papier. C'est pas moi. Je ne peux pas te couper le papier. Il y a des gens à qui on coupe le papier, il y a des gens à qui on ne coupe pas le papier. Les gens comme toi, les oreilles sont aux fesses. On doit corriger. Et tu es en train de parler, non? Continue, tu vas voir. Comment on graisse son lit, c'est comme ça qu'on dort. Les gars, retrouvez-moi au laboratoire Vision Pro à Ekounou. C'est le laboratoire de Franco Le Mignon. Venez m'encourager. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photos de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. À un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite. Et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28.
S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.